30-40. Ah, c'est là que j'arrive pas. C'est là que j'arrive pas. Bienvenue sur Winamax TV. Bienvenue dans Sans Filet, 45 minutes de tennis. Avec, vous l'avez vu, Benoît Mélin et Julien Pichenet qui s'entraînent, ouais, qui essayent de lancer une balle correctement. Et ce n'est pas toujours évident, bah, n'est-ce pas, évidemment, Benoît, c'est pas facile. Mélin, tu vas bien? Oui. Sois sage, je t'ai à l'œil. Oui. Julien Pichenet est également avec nous, son cahier aussi. Bonjour. Alors, cahier rouge, alors on m'a traité de communiste. Ah, c'est génial. C'est génial. Sur les réseaux sociaux. J'ai mis une demi-heure à choisir la couleur. Mais tu sais, le livre rouge de Mao aussi. Ouais. Bien mais sûr. Il était petit. C'est un cahier. Le cahier de Julien qui sera gagné en fin de saison. Oh, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a quelques pronostics. Il y a le vainqueur déjà quelques de Roland Garros. J'ai le tableau de Wimbledon. Alors attends, parce que là, il y a Y, Ascu. Hier, si vous avez écouté Benoît sur la victoire de Cornet, vous avez tous perdu. Bah, sur pas mal de problèmes. On n'a pas été très bon pour cette reprise. Mais bon, on les a mis, c'est la reprise. Et puis en plus, nous, on se mouille sur tous les matchs, donc c'est pas facile. Non, c'est pour ça, hier, je me suis pas mouillé sur tout. D'ailleurs, vous m'avez critiqué tous les deux. Je t'ai critiqué. Je réitère mon appel à la prudence. Il y a des certitudes, d'ailleurs. On va vous donner les piécettes à jouer ce soir-là. Non, il y a vraiment des matchs, là, c'est oui, cadeau. Oui, oui, oui. Il y a deux, trois trucs, là, c'est cadeau. Et c'est vrai qu'on est d'accord. C'est pas des conneries. On est d'accord. Mais il faut aussi faire attention. Il faut bien choisir les matchs sur lesquels vous misez, parce qu'effectivement, non seulement c'est la reprise, et c'est toujours compliqué un premier tournoi, mais en plus, avec le contexte actuel, il y a des choses un peu bizarres, quand même, même si et on n'a pas encore vu tout le monde à l'œuvre. Il y a Très Sombres qui dit « Bonsoir, Marie, la petite sirène ». Ah oui, parce que je suis dans mon bocal. Voilà pourquoi. T'as compris? On va vous saluer d'ailleurs sur le chat. Winamax d'abord avec Pigeon Blanc qui est là et qui nous dit bonsoir la team. Salut Batman, bonsoir. Salut Jean-Paty, salut Arcade, salut Enif. Et puis on vous salue également sur le chat YouTube. Vous êtes déjà très nombreux. Salut Canadien, Guicou, Table Tennis, Vincent, Michko, Jean-Daniel, Manon, Annie, Touria, Alex, Manon Petit Thomas, Pas. Manon est également là, Didier, Mathéo, bref, merci à tous d'être avec nous tous les soirs comme ça. Il y a quelqu'un de Londres, t'as dit? Oui, il y a quelqu'un de Londres, exactement. Mais attends, touche pas le clavier. Et il y a aussi une personne... Parce qu'avec le virus, en plus, ça a muté là-bas. C'est Jackie McKinley qui est avec nous. Oh là, Jackie McKinley. En plus, c'est une femme, pardon, excusez-nous. Ouais, l'anglaise vous envoie un gros bisou, vous êtes mon émission tennis préférée. Jackie... We love you. On l'aime bien, on l'aime bien. We love you tout de suite. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Au sommaire de cette émission. Ah oui, du sommaire. Le 250 d'Antalya avec trois Français qualifiés pour le deuxième tour. Ensuite, direction Delray Beach où Sam Courier a signé un retour gagnant. Marie. Kéré, il fait tous les titres en ce moment sur ta rivière. J'aime trop. Sam Courier, c'est vraiment... Il va faire toute la saison. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'il fait autant parler de lui. C'est vrai. Et enfin, à Abu Dhabi, avec le match phare, Sakkari contre Coco Gauff. Est-ce que la jeune prodige américaine va prendre ça? Oui, parce qu'elle s'était fait écraser. À New York, 1-3, exactement. York, ouais. Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Et il y a Batman, il dit « Benoît avait dit Kwon ». Oui, Benoît a dit beaucoup contre de choses hier, ouais. Mais hey, soyez indulgents avec lui parce que c'est la reprise pour nous aussi. Les amis, c'est vrai que Benoît n'a pas été terrible hier. Mais ça arrive, Benoît. Si à chaque fois qu'on faisait un prono, il était bon, on aiderait quand même la reprise économique de la France. C'est quand même formidable. Non, mais c'est dur. Et on serait déjà décoré, on aurait la Légion d'honneur, là, tu vois. Non, mais après, il faut savoir que, voilà, nous partons un petit peu dans l'inconnu. On a dit Fabio de 7-0, Courier, c'est passé. Ouais, non, mais après, oui, enfin, dans le marasme général, on arrive à sortir quelques piécettes. Mais toujours est-il que, voilà, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe là, sur ces premiers tournois, sur ces premiers matchs, pour se rendre compte un petit peu des potentiels, on va dire, ceux qui sont capables d'aller loin. Et pour l'instant, non. On va, avant de passer au jeu et à nos pronostics, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos qui sont tombées. Plein. J'ai aussi beaucoup de questions sur le chat qui ne concernent ni Antalya, ni Delray Beach, ni Abu Dhabi. On commence par quoi? Par le... Ça ne concerne pas le tennis? Si, ça concerne le tennis. Ça concerne le tennis. On va commencer peut-être par le top 3, hommes et femmes, qui va être délocalisé à Adélaïde. Oui, alors là, celle-là, elle est pas mal. Explique peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi cette... Alors, ça vient de sortir. Donc, nous sommes en Australie, où normalement, donc, il y a une espèce de bulle sanitaire qui s'est créée avec une espèce de puissance. Mais on a dressé des murs, mais c'est Alcatraz, quoi. Et là, on nous sort
que les trois premiers du classement mondial, mec, Djokovic, Nadal et Thiem, plus les trois premières du classement mondial féminin, Barty, Alep, Osaka, n'iront pas à Melbourne. Non, eux, ils ne vont pas à Melbourne. Pour ne pas surcharger. Alors, tu parles de la quarantaine. Pour la quarantaine. Voilà, pour les 15 premiers jours, là, du 17 au 31 janvier, eux, ils vont aller à Adélaïde, dans un autre état. On n'est pas dans le même état, on est dans un autre état. On est à 1h15 en avion, à peu près, sachez-le. Il y a 750 bornes, on va dire, entre les deux villes. Et eux vont se retrouver dans un endroit à part. Alors, il faut bien savoir que... ils vont avoir dans leur hôtel, puisqu'on appelle ça des hôtels, hein, ils n'auront pas de maison individualisée, mais dans leurs hôtels, ils auront une salle de gym. Donc ils auront le droit de potentiellement s'entraîner physiquement, et ça ne fera pas partie des 5 heures extérieures pour les autres qui sont à Melbourne, puisque eux, s'ils veulent sortir de leur chambre d'hôtel, ils ont 2 heures de tennis, 2 heures de salle de gym et 1 heure pour aller bouffer. 5 heures à l'extérieur de la chambre. Sinon, c'est terminé, quoi. Eh bien, eux, à Adélaïde... Il y aura des mecs derrière chaque personne avec des chronomètres. Mais je ne sais pas. Mais non, mais attends. Ça va être un peu chiant. Peut-être qu'ils vont devoir badger. Et je peux te dire que le gouvernement australien, ça ne va pas rigoler. Ils ont peut-être des badges. Je sais. Mais toujours est-il que les top 3 hommes et femmes... Attends, parce que ça l'énerve. Ah oui, mais ça me rend fou, parce qu'encore une fois... Non, attends, tu sais pas, ça se trouve, ils ont un bail pour arriver direct en quart de finale. Non, mais attends, parce que imagine... Donc là, on s'arrête à 3, hein. Imagine que Federer serait venu. Qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que tu aurais dit à Roger, ah bah toi, désolé mon pépère, hein, tu fais pas partie des trois, tu vas aller à Melbourne avec les gueules, les pestiférés, là, ceux qui n'ont pas le droit de bouger. Avec quoi? Donc déjà, c'est inimaginable. Il faut savoir qu'à Adélaïde, en plus, tu as la possibilité, ils vont avoir la possibilité, alors c'est pas encore officiel, mais toujours est-il que Craig Taylor, le président de la Fédération australienne de tennis et directeur du tournoi de l'Open d'Australie, l'a annoncé. Or, pourquoi ils l'annoncent si ce n'est pas officiel? Enfin, toujours est-il que eux, ces top 3, là, hommes et femmes, vont aller à Adélaïde, auront la possibilité de sortir de leur hôtel, puisque Adélaïde, c'est un peu plus cool que Melbourne. Il n'y a pas une exhibe qui est prévue? Ils ont une exhibe prévue le 29 et 30 janvier, tranquille, peinard, ils vont pouvoir taper la bouboule. Et tu dis, mais encore une fois, pourquoi, quoi? Pourquoi ils mettent ça en place? Je ne comprends pas ce genre de choses. J'essaye de comprendre. Je ne comprends pas. Ils ont avancé une raison, quand même. Ah, aucune raison. C'est du favoritisme et tout ça, mais je déteste, moi, toute forme d'immunité, de favoritisme et tout ça. Jean-Daniel nous dit, mais mon cher Benoît, l'égalitarisme n'est pas de ce monde. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste factuel. Ben, c'est normal, parce que tu vois, je suis dans la même émission que Julien Pichenet. Donc là, tu te rends compte qu'il n'y a pas du tout d'équité. À un moment, c'est bon, quoi. Qu'est-ce que je fous avec la piche, quoi? Allez, vas-y. Pose la question. Allez, vas-y, balance ton fiel. Non, mais recrache ton fiel. En revanche, après enfin bref. Allez. Tu sais, quand tu avais posé cette question très intelligente, en disant mais qu'est-ce qui va se passer si jamais à l'Open d'Australie il y a des joueurs qui vont déclarer forfait ou et les lucky losers. Et alors ça y est, ils ont prévu. Effectivement, ils ont prévu. Ils prendront 6 lucky losers des qualifications qui auront le droit de partir avec ceux qui sont qualifiés. Donc ils prévoient pas plus de 6, s'il y a plus de 6 forfaits, voilà. En revanche, il y aura un WO. Là, il y aura un problème. Mais toujours est-il qu'ils prennent les 6 lucky losers des qualifications pour venir avec tout le monde à l'Open d'Australie et commencer la quarantaine, en espérant que bah, peut-être il se passe quelque chose. Beaucoup de questions. Quel bordel, mais quel bordel. Oui, c'est un gros bordel. Sur le chat YouTube, il y a Walid et Vincent qui se demandent, qui demandent à Benoît, ton avis sur le choix de Ben Chetrit de représenter le Maroc au lieu de la France. J'ai beaucoup de questions à ce sujet. Mais c'est une décision qu'il a prise, il a raison, il avait la possibilité d'avoir cette double nationalité. Et moi, je suis joueur de tennis professionnel en France, je suis quoi, 200e mondial. Je sais très bien qu'à aucun moment je vais représenter mon pays. C'est impossible, ni aux Jeux Olympiques, ni en Coupe Davis, puisqu'il reste encore quelques petits tours de Coupe Davis pour les nations, là, comme ça, un petit peu perdues. Voilà, et Elliot Ben Chetrit, enfin, moi, je trouve qu'il a raison de le faire. Pourquoi pas? Enfin, à un moment ou un autre, t'as envie aussi de faire des grands rendez-vous. C'est-à-dire que lui, Tokyo, bah, en prenant cette décision,
il pourra jouer les Jeux Olympiques de Tokyo. Ça arrive souvent, hein, ça, des joueurs qui décident de changer de nationalité en cours de carrière. Il y en a à qui ça sert, comme Ruzicki. Même en foot, hein. Ruzicki, qui est devenu anglais en 95 alors qu'il était canadien. Ouais. Ça lui a permis d'être mis en avant à Wimbledon et peut-être d'avoir la carrière. Et ça avait fait un sacré bordel à l'époque. Et ça avait fait un scandale puisqu'il s'était fait siffler à Montréal en 95. Mais par exemple, Bedene, qui est slovène, qui a choisi d'être anglais pendant quelques années, ça lui a servi strictement à rien. Lui. Il est redevenu slovène après, d'ailleurs. Et même, voilà. Tu vois, là, ça me paraît un bon choix pour. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais on en a parlé un peu avec l'émission avec la Joconde. On était d'accord. Mais tu vois, il y a, pour revenir encore une fois à ce truc du top 3 mondial hommes et femmes qui va se retrouver à Adélaïde. Non, mais parce que ça m'énerve. Non, mais parce que ça m'énerve. Tu vois, prenons un petit exemple à deux balles. T'as Gaël Monfils et Elina Svitolina qui vivent ensemble, machin et compagnie, qui vont se retrouver à Melbourne ensemble. Pour la quarantaine. Eh bien, ils ont reçu une lettre du tournoi de l'Open d'Australie en leur disant « Vous n'avez pas le droit de vous voir. Vous allez être chacun de votre côté. On ne veut surtout pas qu'il y ait de possibilités de mélange. Donc, vous allez vous préparer chacun de votre côté. » Et tu dis « Mais il y a deux poids, deux mesures. Encore une fois, ce n'est pas normal au niveau… » Moi, avec Julien Verlet, on s'énerve avec ça, mais sur l'équité, quoi. Qu'est-ce qui va se passer, encore une fois, si tu as des joueurs… Parce qu'ils sont numéro 1, 2 et 3 mondiaux, ils ont le droit de s'entraîner comme ils veulent, où ils veulent. Mais avec qui ? Parce que le problème, c'est que les duos d'entraînement étaient déjà mis en place. Donc on sait que Djokovic devait s'entraîner avec Krajinovic. Et comment ça se passe ? On sait que Nadal devait s'entraîner avec Sinner. Pas mal. On sait que Dominic Thiem... Sinner, ils passent leur temps ensemble, là, j'ai l'impression. Ils s'aiment bien. On sait que Dominic Thiem devait s'entraîner avec Andriy Rublev. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'ils ne font pas partie, eux, du top 3 mondial. Est-ce qu'ils vont avoir le droit d'aller à Adélaïde ? Qu'est-ce qui va se passer ? Parce que, logiquement, ce sont des pestiférés, quoi. Ils n'ont pas le droit d'y aller. Donc, comment ça va se passer par rapport à ça ? Enfin, tu as l'impression que tout se met en place, comme ça, dans l'urgence, encore une fois. Allez, hop, on part dans tous les sens, quoi. Moi, ce qui me gonfle un petit peu, là, je suis désolé, là, je ne vais peut-être pas avoir votre approbation, mais c'est quand j'ai vu le montant des garanties des meilleurs, les top 3 pour l'ATP Cup, alors qu'on est quand même dans une période difficile c'est où il y a beaucoup de joueurs de tournois qui vont devoir baisser leur prize money, machin truc. Et on a vu qu'il y avait des garanties gigantesques pour que Nadal, Djokovic, Thiem jouent l'ATP Cup. Mais non, mais sérieusement, là, on est dans une époque ultra délicate où il y a plein de choses qui vont s'arrêter, fermer, bon, machin, tout ça. Et les mecs reçoivent des choses. Non, mais pas cette année. Tout le monde est en train de se dire il faut qu'on redistribue un petit peu les richesses du tennis pour aider ceux qui n'ont pas trop de moyens. D'accord, mais toujours est-il qu'à un moment ou à un autre, on fait tout pour aider ceux qui sont au plus haut niveau, quoi. Ceux qui sont... C'était à peu près, pour donner un ordre d'idée, entre 100 et 150 000 euros, à peu près, quelque chose comme... En plus des prizes attribués. Est-ce que tu crois que Djokovic, Nadal, Thiem, tout ça, ont besoin de ces 150 000 euros ? Non, à aucun moment. En revanche, des pauvres petits mecs comme ça qui sont là, dont on va parler, quoi. Nous, pour par eux, exemple, là, mais nous. Pour eux, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que ça leur finance complètement leur année. Alors, beaucoup de réactions, évidemment, sur YouTube, notamment concernant donc, le privilège du top 3 à Adélaïde. Et on a Forza Ferrari qui nous dit « Mais Benoît, c'était pareil à l'US Open, les meilleurs joueurs avaient des loges privées, déjà. » Oui, c'est pareil. Oui, les têtes de série. Mais il y a toujours eu des privilèges. Mais le favori. Oui, mais justement, mais c'est... Non, mais après, c'est un éternel recommencement. C'est l'histoire du monde aussi. C'est l'histoire du monde, exactement, voilà. Exactement. Non, mais les loges... Exactement. Cahier rouge. Exactement. Non, non. Hey, c'est le petit livre rouge. Les loges sur l'US Open ne m'ont pas gêné. Ce qui nous avait gêné, je me souviens, on en avait souvent parlé dans Sans Filet, c'était les maisons individualisées que tu pouvais louer si tu avais les moyens de le faire. Et donc, tu avais effectivement des joueurs et des joueuses qui s'étaient pris leur petite maison tranquillos, peinardos. Alors, soi-disant avec une sécurité qui faisait en sorte qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de leur bulle, mais enfin, toujours est-il, encore une fois, que tu sors de ce qui devrait normalement être « Ok, on fait un tournoi ensemble !» Mais tout le monde est dans les mêmes conditions et on verra bien ce qui se passera. Juste un petit truc avant de... Pour finir. Dans quelques instants, avec Benoît et Marie, on va vous donner tous les résultats de la nuit et de demain. Les bons résultats. Les bons. Les bons et les bonnes piécettes à jouer. Vous oui, inquiétez pas. Non, mais j'ai fait... Je peux citer une chaîne de télé Oui, ben oui. Non, mais je fais l'émission de l'ATP. Ça a repris cette semaine, là, sur Canal Plus International. Je fais la voix française. Et cette semaine, il y avait une rencontre entre Federer et Borg.
assez intéressante qui a été enregistrée pendant le Masters. Donc c'était plutôt sympa d'ailleurs, ils évoquaient les souvenirs, leurs souvenirs du Masters. C'est vraiment... Ah oui, vous n'êtes pas au fait de l'actualité, parce que c'était un truc il y a quand même un mois, quoi. Ouais, moi je l'ai découvert. Ah, tu l'as vu alors le truc? Ah bah ouais. Ah, explique à ceux qui l'ont pas vu. Non, d'accord, tu l'as vu. Bah, mais non, mais raconte. Tout le monde l'a pas vu. Non, mais à un moment, il y a un truc qui m'a... Tout le monde n'est pas Benoît Mélin. Il y a un truc qui m'a... Ouais, mais Benoît, il voit tout dès que ça sort, machin. Non, mais il y a Borg qui demande à Federer s'il sera prêt pour la Laver Cup de l'année prochaine et celle d'après qui aura lieu à Londres. Ah, bah, cette année, ce à l'O2 Arena. À Boston, et en 2022, ce sera à l'O2 Arena. Et Federer dit oui, machin. Enfin, il n'a pas l'air du tout d'écarter la possibilité d'être là à la Laver Cup. En 2022. Non mais Federer. Est-ce que j'ai compris quoi. Mais non mais Federer est obligé de participer à la Lever Cup. D'accord. Mais jusqu'à 50 ans, il va jouer à la Lever Cup. Je suis d'accord avec toi, Benoît. Ça sert à rien de faire des gros yeux, de me regarder comme ça, comme si tu voulais me donner une baffe. Je pense que Federer continuera à jouer la Lever Cup en pige de luxe ou un truc en guest star, si tu veux. Mais en 2022, il jouera encore le circuit. Eh ben, j'ai pensé à ça aussi. Tu vois, on en parlait en début de semaine. C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Et je me demande s'il va pas jouer aussi la saison 2022. Pour s'assurer vraiment la possibilité de terminer sa carrière. Alors là, devant des tribunes pleines. Là, vous voyez pas, mais il y a la Joconde qui nous fait des signes. Genre. Alors, on est trop long. Stop. Allez, parce que alors la dernière. Voilà, c'est vrai que la je dernière. Fais des signes pour qu'ils arrêtent de parler parce qu'il est déjà 19h16 et qu'on ouais, va pas parler. Ouais, mais on rentre tranquillement, c'est l'heure de l'apéro, on est bien, voilà. On est entre nous, on est entre amis, quoi, peinard. Ouais. Et donc, sachez que. S'il y a un joueur qui pour l'instant n'a pas encore un duo au niveau de l'entraînement à pour la préparation à l'Open d'Australie là sur la première c'est semaine Karlovic. C'est Alexander Zverev sur les meilleurs, on a tout le monde mais il a perdu et Zverev on a et Zverev et ben David Ferrer c'est fini ça y est, ouais. Non mais il se passe quelque chose là, oui, parce là il y a un truc alors bien évidemment hein, dans la communication c'est tout le monde est amour oui, et que, bon, a... ok c'est super il faut non, mais c'est, visiblement bon. Il y a quand même une différence entre ce que ce jeune allemand dégage quand même il a quand même l'air assez gentil calme ouais. Idéal machin et, ouais. Et en coulisses ça a pas l'air d'être ça quoi. Bah non parce que entre Ivan Lendl oui ça reste pas très bon ça s'est mal fini ouais, puis je pense que Juan Carlos Ferrero ça s'est très mal fini et là David Ferrer donc ça a duré quoi 6 mois ils ont commencé juillet, 5 mois, 6 mois. La poussière. Et encore. Bon, tu dis, il y a quand même un truc qui cloche quelque part. C'est tout. Après, caillotte dans la mare. Avec ses histoires perso qui viennent s'ajouter à ça, là. Non, ça en fait quelqu'un quand même d'assez obscur, Zverev. Voilà pour toutes les nouvelles sur la planète vous savez tennis. Vous savez tout maintenant, place au jeu, au caille. Allez, les piécettes. Il n'y aura pas de jingle. Mais si. Non, ok. Il n'y a pas de jingle. Non, il n'y a pas. Non, mais il n'y a pas. Non. Il y a un écran. Non, hein. Non, ah là là, Oui, voilà, on revient. Marie. Bon, c'est pas grave, c'est on va faire sans jingle. Alors, on va commencer par Antalya. Il y a un petit mot sur nos Français qui ont brillé, à commencer par la très belle perf. Ah, on fait pas la Tristan, question là, mais je crois que c'est. Lamazine, c'est pas maintenant. Ah, pardon, attends, je peux y aller. Face à Gerasimov. Une victoire en 2-7, Julien. Maîtrise mais parfaite du français. Lamazine, c'est une histoire formidable qu'il a. Nous, on n'y croyait pas, on l'avoue. Non, parce qu'au départ, il s'est dit tiens, je vais faire les qualifs de l'Australie. Il est 273e. Mais comme ça a lieu à Doha, et vu les circonstances et tout, le tableau est rempli, il y a tout le monde. Donc du coup, il n'avait pas le classement pour faire les qualifs de l'Open d'Australie. Après, il s'est dit, tiens, il y a le tournoi d'Antalya, c'est pas un 250 très relevé, je vais tenter ma chance dans les qualifs d'Antalya. Des forfaits, des désistements, tout. Il rentre dans le tableau directement. Il rentre dans le tableau, c'est magnifique. C'est quand même un gars qui a joué une petite poignée, moins de 10 matchs ATP depuis le début de sa carrière, alors qu'il est de 93, il a 27 ans. Il rentre dans le tableau et il joue au premier tour Gerasimov, qui est un joueur du top 100, qui a bien joué fin 2020 notamment, qui est en pleine progression. Pas un premier tour évident, mais quand même, sur un premier tour, premier match de l'année, il se dit... Bah, top 100, quoi. Enfin, 80e, Gerasimov, c'est comme ça. C'est la plus belle, c'est peut-être la plus belle perte de sa carrière. C'est sublime. Et il gagne, avec la manière en plus. Il écarte une balle de 7 dans le premier à 5-4, Gerasimov. Non, parce qu'il bat Radu Albot à Stade en 2016 et Sinner l'an dernier à Lyon. C'était en 2019, Sinner, mais Sinner, il n'était pas dans le top 200. Sinner était 500e. Au niveau du classement, là, c'est assez chouette ce qu'il a fait en plus. On l'a dit ici, d'ailleurs, on pensait que Gerasimov allait gagner. Et moi, je trouve que c'est une superbe histoire. Bon, pour l'instant, il ne gagne que 22 places à l'ATP. Il va être 250e à peu près, mais ça peu importe. Mais il passe un tour. Et va se passer contre Bublik. Hein, ouais. Avec la manière. Et maintenant, il va jouer Bublik au deuxième tour. Et quand tu joues Bublik, même si c'est un joueur extrêmement talentueux, tu dois quand même te dire, même quand tu t'appelles Lamazine, qui est un excellent joueur, hein, mais bon, qui est loin de Bublik au classement, tu dois te dire, j'ai mes chances, parce que Bublik,
peut avoir des jours sans. Il a gagné des matchs marquants depuis la reprise, depuis la pause, notamment contre Monfils à Roland-Garros, mais c'est un joueur aussi qui peut très bien perdre. Ah oui, oui, c'est qui tout double avec lui. De toute façon, on parle de pronostiquera cette rencontre demain, les amis, parce que ce n'est le match à lui samedi. D'accord. Mais on rappelle juste que Tristan Lamazine, que je suis depuis très très longtemps, depuis qu'il est gamin, nous a fait un match très costaud contre Gerasimov. Mené 5-3, il sauve une balle de 7 dans le tie-break, il arrive à s'imposer, il finit sur un deuxième set très solide, 6-2, en convertissant 4 balles de break sur 4. Ça, c'est il a vraiment fait un très très gros match pour se donner le droit de jouer un pourquoi pas. C'est pas 3 sur 3 d'ailleurs, je sais plus. 4 sur 4. 4. T'es sûr de ça ? 4 sur 4. On vérifiera. On vérifiera. Sur 4. Donc bravo à Tristan Lamazine qui nous a régalé de bon matin. Il y a Hugo Grenier aussi qui nous a régalé. Ah oui, alors ça, c'est pas la même histoire, Marie. Oui, mais c'est sa première victoire sur le circuit principal quand même. Oui. Vous voyez, mais. Molchan. Eh oui, Molchan, c'est ça. On est emmerdé. Pourquoi vous êtes emmerdé ? Parce qu'il va peut-être pas jouer son deuxième tour, on ne sait pas. Ouais. Il est blessé. Il s'est blessé. Il s'est blessé pendant le match. La guigne quand même. Ça a claqué. Mais sans rien, on est comme ça. T'imagines les émotions. Parce que tu nous regardes comme si t'étais au Louvre, là. Les émotions du mec. Non, mais vous avez des infos, c'est. Oui, il l'a dit. Le mec gagne son premier match ATP et en même temps, il se blesse pendant le match. Il mène 7-5, 4-1, tout va bien. Là, il le dit lui-même, hein, je reprends ses propos, il entend un crack, problème au genou, c'est le genou, à la cuisse gauche. Voilà, et il a dit si Molchan était revenu à 5 partout. J'aurais dû arrêter, il a changé de stratégie, il a essayé d'abréger les points, etc. Il s'en est sorti en 2-7. Oui, mais encore extraordinaire. Non, mais on rappelle encore Hugo Grenier. Enfin, vraiment, je ne pensais pas qu'il serait capable de faire ça. Molchan a servi pour mener 4 jeux à 1, d'entrer dans le match, il reste au contact, il arrive à remporter le premier set. Et puis tu sens bien que sur la fin du match, hyper tendu, il mène 5-1. Et il arrive à finir 6 jeux à 4, mais tu sens que c'est hyper compliqué, tu vois, mentalement, de se dire « Putain, je vais y arriver, je veux enfin gagner ce match-là. » Et contre un joueur, en plus, qui était à sa portée. Mais justement, d'où la difficulté de cette rencontre. Et il arrive à passer outre, mais à un moment, ça claque, quoi. Et on ne sait pas du tout ce que ça peut donner, surtout pour aller jouer Schtroumpf. Ouais, alors, même si Grenier était à 100% contre Schtroumpf, j'aurais misé Schtroumpf, mais là, s'il a un peu diminué... On verra demain. Mais bon, on verra. Mais bravo. On nous demande encore sur quelle chaîne c'est, Antalya. C'est sur Winamax. C'est sur Winamax. Vous pouvez regarder les matchs sur Winamax. Je me suis fait un petit Fonini Verbonski. Ah, t'as regardé ? Ah ouais. Il faut répète-le toutes les 30 secondes que c'est sur Winamax, Antalya. C'est sur Winamax. Parce que c'est le seul endroit où on peut le voir. Mais tu peux le faire, sinon tu vas prendre ce rôle-là, si tu as envie. Avec 1€ seulement sur votre compte. Alors, Jérémy Chardy, lui, nous a aussi étonné face à Radu Albot. On le voyait alors, pas. Alors, celle-là, on n'avait pas vu venir. Victoire très solide, 3 et 4. Et voyou. C'est Fabio qui l'attend au deuxième tour. Petit mot sur Jérémy Chardy avant de passer non, au match mais de demain. Il a bien joué, parce qu'il a été mené en plus, et tout ça, et puis il est revenu. Ouais. À chaque fois, et battre Radu Albot maintenant, c'est quand même pas mal, surtout quand on est comme Chardy, c'est-à-dire sans référence, avec très très peu de matchs gagnés lors des derniers mois, en pleine déprime d'ailleurs, il n'avait plus envie d'être sur le circuit en fin d'année, c'est pour ça qu'il a abrégé sa saison. Donc battre Albot pour Chardy, aujourd'hui, c'est une très belle performance, et il va jouer Fonini au deuxième tour, et qui sait, il peut voir plus loin. Mais c'est ça qui est génial, tu vois, enfin... Après, bien évidemment, vous gueulez parce qu'on se trompe, on a des cotes. Non, c'est on sympa. On va sur des trucs. Non, c'est gentil. Mais ça ne me pose aucun problème. C'est mais qui un a gueulé jeu. Il y en a qui ont gueulé. Oui, bah oui. Oui, mais c'est normal. Mais après, voilà, c'est un jeu. Mais toujours est-il que tu te rends compte que il faut bien se dire que là, jusqu'au 13 janvier, où il y aura lieu les finales de ces tournois-là, hommes et femmes, tout est possible. Tous les horizons sont ouverts pour n'importe qui. Surtout c'est à Abu Dhabi, là où il y a. Abu Dhabi, c'est quand même assez illisible. C'est ça que j'adore dans le tennis. Imaginez que vous soyez à la place de ces gars-là qui sont 300e mondial, qui n'ont jamais la possibilité de pouvoir gagner un petit peu cet argent-là, parce que ça reste un boulot pour eux. Hein. Là on ne parle pas de plaisir, tu vois. On n'est pas là en train de gagner des tournois toutes les semaines. Donc, ils vont au turbin. C'est vraiment la mine, c'est les corons, quoi. Et les mecs se défoncent comme des dingues pour essayer de gagner un match, peut-être deux, peut-être trois. Et puis, pourquoi pas, tiens, mais si je me mettais à rêver. Surtout pas, hein, mais ça bon. Ça peut changer une vie, ça peut changer une carrière. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas envie de lire, et je n'ai pas encore vu ce commentaire là sur les réseaux, machin, que c'est un tournoi à deux balles, parce qu'il y a des rabat-joies qui peuvent le dire. Ça, non, pas envie de lire. C'est vrai que le plateau, bah voilà, on a vu mieux aussi. C'est oui, vrai. Mais c'est là que c'est intéressant. Ouais, mais on adore. On peut entendre que certains, voilà, préfèrent. Voir des. Oui, mais. Oui, top bah, non, 10, mais on, plus ça. Joueurs du top 10. Et on en reparlera du Chardy Fonini, mais. Ah oui. C'est vrai que ça, alors, c'est pas le moi, alors, du coup, c'était poussif, Fabio, hein. Oui. Ben oui, mais c'est un match. Il n'a pas gagné de match depuis longtemps.
Il a eu ses opérations. Il domine, il domine. Enfin, si tu veux, il n'est pas en danger. Gagner. Voilà. Non, mais bon. C'est un peu serré. Et contre Chardy, c'est intéressant parce qu'il y avait eu quand même un match assez houleux entre. Ah ouais. C'était à Miami, hein, ou à Indian Wells, en mars, là, il y a deux ans. Ouais. Quand Fonini perd contre. Oui. Il a du mal, il galère un peu contre Chardy et il dit à voix haute : non, mais je ne vais pas perdre contre ce mec qui a été centième mondial toute sa vie. C'est ça, exactement. J'ai pas le droit. Et Chardy, ça lui a fait. Attends deux secondes. Mais alors après, sachez que. Fabio Fonini peut être une espèce d'ordure absolue sur un cours de tennis. Il paraît que c'est un amour. Mais en dehors du cours, c'est un amour. Vraiment, c'est un mec super sympa. Et en fait, tous les mecs qui s'engueulent avec lui sur un cours de tennis, en général, oublient très très vite parce que le mec est amour en dehors. Mais on est combien ? Mais même à un petit niveau, toi, t'es adorable. Non, mais moi, du coup, je suis amour en permanence. Alors que toi, t'es vraiment pourri tout le temps. Quoi. Mais sur le cours, je suis odieux. Si on joue ensemble un jour au tennis, si on fait un match, je vous en fais tous les soirs des matchs, Julien Pichet. Allez, nous, on va pronostiquer des matchs maintenant, les amis, parce qu'il y a quand même quelques beaux matchs, hein, à commencer par Travaglia face à Russu-Gori. Première confrontation. Ouais, il est favo, évidemment. Pourquoi évidemment ? Alors, justement, j'allais te dire attention à ce Travaglia. On n'en parle pas parce qu'il est italien, il y a beaucoup d'Italiens, et il est noyé dans la masse des Italiens qui sont classés entre la première et la 150e place. Oui, mais Travaglia... non, pas attention là, quoi, Julien. Quoi, tu vas pas nous vendre Travaglia ? Tu vas pas nous vendre Travaglia. Ah, parce que vous pensez que Gori va se balader les doigts dans le nez contre Travaglia ? Pas les doigts dans le nez, mais il va gagner. Mais ça va pas du tout, quoi. Mais Travaglia, c'est un gars qui fait pas parler de lui alors qu'il a des grosses perfs. Il a battu Nishikori à Roland, Corrige à Rome. Sur terre battue. Si Travaglia est battu en 2-7 secs par Gori, je mange ma chemise et mon pantalon devant toi. Je mange ma chemise, là. Alors, sache que nos parieurs vont sur Gori, mais en 3-7. Eh ben, hein, voilà. Eh ben voilà. À 83%, attention. Mais il y a quand même 86% de nos parieurs qui vont sur Émile. Oui, mais... Personne ne te suit pour l'instant sur Travaglia. Souvent, dites-nous plus, sur plus le chat, Pénamax et YouTube. Trompe. Alors, Benoît. Non, Émile. Mais effectivement, ça peut être... Voilà, c'est... C'est un chacal, c'est un chien, c'est un croco, il rattrape tout. Il a du métier, il a 29 ans, il a du métier, voilà. Il couvre tellement bien. Il est toujours là, dans les 70 mondiales, il joue très bien. Effectivement, il avait battu Fabio Fognini au premier tour de l'Open d'Australie en 2017. Bon, enfin bon, Oui, bien sûr. Il lui a donné le match. Il était concerné, comme toi, devant un poisson pas cuit, quoi. Tu vois. J'adore le poisson cru. Je vois Russu-Vuori et non pas Émile. Alex nous dit il est solide, le Norvégien, il a franchi un cap. Oui, pour lui, c'est Russu-Vuori. Mais il franchit un cap toutes les semaines. Sauf que c'est un Finlandais, non pas un Norvégien, je tenais à le préciser. Pardon. C'est comme Jarkko Nieminen. C'est comme si tu confondais un Français avec un Belge, donc si tu veux un moment ou un autre, il faut faire attention. Mais on n'en veut pas, Alex. C'est vrai que je n'avais même pas noté, tu vois. Non, mais Russu-Vuori, oui, il a quelque chose, ce gamin. Il a quelque chose, vraiment, ce gamin. Matt nous dit, la piche a raison, le service de travail est pénible à retourner. Il y a Patrice Redard qui nous dit plus de 20. C'est vrai que là, pour le coup, c'est peut-être pas mal de parier sur le nombre de jeux, parce que je vois un match assez costaud. Il veut partir sur quoi, Patrice ? Plus de 22,5 jeux. C'est combien, par exemple ? 1,88. Oh ! C'est beaucoup ! 22,5, c'est genre... 6-4-7-5, par exemple, on a 10 plus 12. 6-4-7-6, quoi. 6-4-7-6 ou plus serré que 6-4-7-6. 1,88, bah, je préfère la victoire de Russu-Vuori en 3-7. Oui, mais parce que tu aimes les grosses cotes, toi. Ça n'a rien d'extraordinaire et je trouve ça complètement... Vous voyez un 3-7 dans le match tous les deux ? Parce qu'elle est pas mal, la cote du 3-7 sans vainqueur à 2-15. Pourquoi pas ? C'est peut-être quand même plus cool de mettre le plus 22,5 à 1,88, c'est quand même pas mal. Voilà. Enfin, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Je sais pas. Le match de Travaglia contre Kecmanovic est très bizarre. Hein. 6-0 dans le troisième. Voilà, il se prend 6-1 au premier set, il gagne 6-0 au troisième. J'avoue que je n'ai pas vu ce match. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé là-dessus. En revanche, j'ai vu le Émile contre Giri. Et bon, c'est costaud, quoi. Oui, c'est costaud. Lui, il va être dans les plus grandes progressions, les progressions les plus intéressantes, en tout cas, de l'année 2021. Ouais. C'est sûr, mais ce match ne va pas être facile, je le répète. Mais plus 22,5, ça me paraît bien. 1,88, ça me paraît bien. On va passer à Basilashvili, maintenant, qu'on va retrouver demain. Le Géorgien qui va continuer sur sa lancée, oui ou non. Oui. Il peut, hein, parce qu'il va jouer la wildcard. Ça, c'est ma piécette. 24 ans, 309e mondial. Julien, oui, vas-y, maintenant, tu as la parole. Marie, excuse-moi, je te coupe, je suis chiant, je n'arrête pas de vouloir te couper, recouvrir tes mots par mes mots. Basilashvili à 1,45. Tu n'y vas pas. Contre Selig Bilek, c'est cadeau. Tu vas. C'est cadeau. Alors d'accord, le mec a eu des problèmes perso. Non mais c'est cadeau sur Basilashvili, hein, on est d'accord. Hein. C'est cadeau sur Basilashvili. Jamais Selig Bilek, qui lui sort quand même un peu de nulle part,
Non, il ne sort pas de nulle part. D'accord. Enfin, il a 21 ans. Il est là, machin, tac, il est dans. Non, il paraît que dans un quartier. Il a 24 ans, pardon. Il paraît que dans un quartier d'Istanbul, il est un peu connu. Il est un peu connu. Non, non, mais là, je n'imagine mais pas. Mais non, mais Cédric Bilek, je n'imagine pas une seconde Basilashvili perd ce match. C'est une blague. Mais il a. Pardon. Évidemment. Mais évidemment. Non, mais 1,45, pourquoi c'est 1,45 ? Parce qu'il a tellement gagné peu de matchs. Tellement peu gagné de matchs ces derniers mois que voilà, mais bon, il a quand même passé son premier tour. Ça a été un peu dur, mais il l'a quand même fait, Basilashvili. Bon, d'accord, reste, on va c'est quand même un gars qui a, dessus, non, mais il a gagné 3,500. Il a eu du mal l'année dernière, ok, mais là, à 1,45, ça me paraît alors, suffisamment importante pour qu'on mette la piécette, voire même le billet là-dessus. Surtout que je vous avoue que je n'arrive pas à trouver l'information, puisque je vous rappelle qu'il était en procès. Alors, il a été reporté, je crois. Voilà, je crois que la décision a été reportée pour violence conjugale en février ou mars. Alors après, en Géorgie, ça peut prendre des proportions assez énormes pour lui. Donc, mais apparemment, il y a eu une enquête sur son ex-femme, puisqu'ils étaient séparés, et apparemment, elle serait un petit peu aussi bizarre. Donc toujours est-il que pour l'instant, le Basilashvili est peut-être un petit peu léger par rapport à tout ça. Il a souri. L'autre jour, il a souri, c'est très rare. Mais bon, on n'oublie pas que Basilashvili, il n'y a pas longtemps, en 2019, était 16e joueur mondial. Non, mais il a gagné 3 tournois 500. Voilà, deux donc fois à un moment ou un autre. Pékin. Voilà. Non, mais c'est Cédric Bilek, il est gentil. Il y a William qui nous dit Basilashvili, il n'existe plus, mais Cédric Bilek a jamais. Non, mais sérieusement, soyons sérieux. Tous les joueurs. D'accord, mais Cédric Bilek, si tu veux, il est invité. Oui, voilà. Hein, dans ce tournoi, il est turc, il est invité dans ce tournoi, il est 309e. C'est ça. C'est pas un gamin, il a 24 ans, il a essayé de faire sa carrière. Oui, ok, il a battu au premier tour Kacperzuk, un Polonais, qui est 262e. Il y a un client sur le circuit ATP. Donc 7-6, 7-5, derrière, tu as Basilashvili. Je peux te dire que c'est pas simple du tout à jouer Basilashvili. Donc non, voilà, à aucun moment Basilashvili ne perd ce match. Et Basilashvili est tout heureux de jouer Cédric Bilek pour s'offrir un quart de finale, ce qui peut lui faire beaucoup de bien en ce moment. C'est ça, exactement. Voilà. Ah, bah, c'est David Goffin qui ne devrait pas trop avoir de problème non plus contre l'Espagnol Nicolas Cunha. Franchement, un indice, ça vaut pas le coup. Bah, non, mais attends, je vais pas te mettre ça, je te mets d'autres cotes, mais tous nos parieurs vont sur le 2-7-0. Eh ben, le 2-7-0. Bah, 1-33, je te dis que ça vaut pas le coup non plus. D'accord, alors qu'est-ce qui vaut le coup, mon cher parce que, bah non, mais parce que ce Cunha, qu'on avait. Ouais. On se souvient de ces images, c'était où? C'était à Miami en 2019, il a des crampes contre Zverev. Contre Zverev. Il peut plus marcher. Il a 8 balles de match. C'est pas possible. Il était en pleine progression. Là, après, il a eu des petits pépins physiques. C'est un gars qui était excellent chez les juniors. Il avait fait la finale de Roland-Garros Junior en 2017. On en parlait beaucoup. Il perd contre Popirin. Exactement. Espagnol d'origine autrichienne. Ah, très, c'est ça que je voulais dire. Très prometteur. Qui a été un peu freiné dans sa progression. Il est né en 2000, donc on est dans l'année de ses 21 ans. C'est ça. Oui, mais si tu veux, Nicolas Cunha, on est dans le tennis de répétition. Oui, oui. Et s'il y a bien un joueur qui peut bien lui faire mal, c'est Goffin, qui est aussi dans un tennis de répétition et qui nous a fait une fin de match contre Pierre Hugerbert, qui était quand même très intéressant. Donc je ne vois pas du tout David Goffin se viander contre Nicolas Cunha. Moi non plus. Le fils de Nicolas Cunha ou pas ? Non. Même pas. Moi, je dis méfiance. Tu vas sur le 2-7-0 comme nos parieurs à 1,33. Moi, je sors ma carte méfiance. À part Eradi Korf, oui. Il dit Cunha passe vraiment clairement. Ah, il est formidable, Eradi Korf. J'adorerais avoir cette Suarez assurance. Rodrigue Suarez dit sur YouTube pourquoi pas Cunha au vu de la cote. Franchement, c'est un très bon jeune. Non. Oui, c'est un bon jeune. Mais si Bagofin, c'est une surprise. Mais il a 20 ans. Effectivement, c'est un joueur qu'on attend. Mais qui, on va dire, face au tout meilleur, il manque encore de... D'expérience, tout simplement, ouais, déjà. D'expérience, de résistance. Tu me fais penser à Davidovic Fokina au tout début. Ah oui. Un peu foufou, ça part dans tous les sens, Fokina génial. Fokina est au-dessus de Cunha. Mais Fokina a une main magique. Ah, Yukun Kun, c'est pas mal, ça nous dit Angel Max. Yukun Kun, Yukun Kun, le cornio référent. Ah là c'est là pas mal, on va l'appeler Yukun Kun. Bourville, de Funès, le Yukun Kun. Qui a dit ça? Venantini, extraordinaire. Ah bah Gérard voilà. Horry, 64. Ah, ne les lancez pas là-dessus. Ah si, on peut parler cinéma un peu. Oh, non mais franchement, bon. Non mais je le dis, moi, le Goffin 2-7-0 à 1,33, oui, c'est probable, c'est plausible, c'est très sûr. Mais t'as pas envie de ça, on a bien compris. Mais ça me paraît pas assez coté pour mettre un billet là-dessus. Voilà, c'est tout. Eh bien,
tu vas peut-être mettre un billet sur Demi-Nord contre Andreev. Alors, je vais mettre tout de suite le 1-0-7, non. Oui, le 2-7-0. Oui, bah là, pareil, on voit quand même Alex Demi-Nord, 21 ans, au-dessus. Oui, oui. Sur le papier, c'est au-dessus. Il a écrasé notre ami Jaziri, 2-1. 19 ans, le Bulgare. Beaucoup plus facilement. Alors, Andreev a 19 ans, 564e mondial. Il ne faut pas croire qu'il sort de nulle part. C'est sa première perf, là. Il a passé un tour dans le grand tableau. Qu'est-ce que tu vas inventer ? Il a été il doit être 580e. Non, mais son parcours, même toi, tu les battais. Il a battu Klein, Vavasori et Ilan. Respectons les joueurs sur ce plateau. Mais je me méfie un peu de ce gars qui a été un excellent junior, quand même. On l'a vu en grand chelem chez les juniors. Finaliste de l'Euro junior, des championnats d'Europe junior en 2019, etc. En 19 ans. Voilà, on ne connaît pas trop, on le découvre. Bon, pourquoi pas ? Je ne sais pas. Évidemment, il a gagné son premier titre pro sur le circuit futur à Héraclion sur dur, hein, fin novembre. Donc c'est son mais en battant, on va dire en moyenne, on va dire du 500e joueur mondial. Oui, non, mais c'est là, un joueur qui va découvrir ce que c'est que de jouer un mec du top 30. Non, si, parce que étant bulgare. Il a été invité plein de fois au tournoi de Sofia. Alors, au début, c'était en qualif, il ne passait pas, il ne gagnait pas un match. Alors, après, ils l'ont mis directement au tableau final. Et il n'a pas passé, il a perdu contre Istomin. La seule fois où il a failli gagner un premier tour à Sofia, c'était en 2019 contre Ebden. Matthew Ebden qui a complètement disparu, l'Australien. Ah oui, tiens, Ebden. Et il avait perdu 7-6 au troisième. Enfin, ouais, il essaye. Mais encore une fois, c'est ça que j'adore dans le tennis. Il n'abandonne jamais, il n'abdique pas, ils essayent. Il a 19 ans au soleil. Il a 19 balais, il essaye. On ne sait pas. Moi, je trouve que ce n'est pas 1,26, ça ne me paraît pas suffisamment. C'est Demi-Nord. Il fait un super début, tout, c'est possible, mais 1,26, ce n'est pas mirobolant comme cote. Par rapport à notre Basilashvili qui est presque à 1,50 de tout à l'heure, moi, je préfère mettre un billet sur Basilashvili que sur Demi-Nord en 2,7. Demi-Nord a défoncé Jaziri en une heure. Il va peut-être défoncer Andreev, mais. Je suis plus prudent que toi, Benoît, par nature. C'est comme ça. Demi-Nord, je vois pas. Thomas nous dit, j'ai mis tout mon compte en banque sur Demi-Nord. Mais Demi-Nord, pour gagner le tournoi. Alors moi, j'irai pas sur le compte en banque plutôt le Codévi, mais toujours est-il que Demi-Nord, s'il joue Basilashvili en huitième, je le mets en quart direct. Non, mais en plus, Demi-Nord est un bon joueur de début d'année parce qu'il a déjà gagné des tournois en janvier. Comme Alizé Cornet aussi. Là, il a vraiment envie de bien faire parce que l'année dernière, il y a eu quand même une grosse déception pour lui. Il n'a pas pu jouer à l'Open d'Australie. Blessé, il est quand même très jeune, il n'a pas joué tant de fois que ça à l'Open d'Australie. Non. Là, je pense qu'il a vraiment envie de bien figurer à l'Open d'Australie, puisqu'il peut tout à fait taper un huitième, un quart à l'Open d'Australie, ce qui serait super pour lui et le public australien. Et je pense qu'il a très envie de bien figurer dans ce tournoi pour bien se préparer, pour avoir de bons repères pour l'Open d'Australie, qui va enfin pouvoir jouer. Un quart à l'Open d'Australie ? Il peut très bien faire un quart à l'Australie. Demi-finale de Fernandez et de Gauffier. Écoute, à l'US Open, il fait un excellent tour. Il peut très bien faire. Je dis après les demi-finales en Grand Chelem de Fernandez et de Gauff annoncées par Benoît Mélin. Mais je vois pas en quoi c'est insensé. Nous avons le quart de finale de Julien Pichenet. Ça n'a rien d'insensé de dire que Demi-Nord peut faire un quart à l'Open d'Australie. Vous êtes d'accord avec moi, non, quand même. Défendez-moi. Nous suivons ça de toute façon. De toute façon, il y a tout dans mon carnet rouge. Oui. Passons à Del Rebic. Del Rebic, tout de suite, les amis. Et Sam Querrey qui a répondu à nos attentes. Hein, l'Américain qui s'est imposé en 2-7 contre son compatriote McDonald. Oui, bon. Et en huitième de finale, il va retrouver... Ah oui. Madjer. À ne pas confondre avec Rabat Madjer. Un joueur de foot. Oui, l'Italien 101e mondial. La Madjer, donné son nom à un geste. D'accord, voilà. C'est quoi, c'est le coup entre les jambes, là. La Madjer. La Madjer, oui. Oui, Rabat Sublime. Madjer. J'y connais rien au foot, mais ça, je sais. Comme la Panenka et la Madjer. D'accord, vous n'avez pas compris ma blague. C'est pas grave. Bon, alors, Querrey, notre ami Querrey. Alors, vous voulez que je vous dise un truc ? Moi, je mets mon compte en banque sur Querrey. Même si c'est 1,20, c'est pas énorme. Vous savez, quel est Madjer, 26 ans, 101e mondial, finaliste à Rio. Mais t'es débiteur sur ton compte en banque, t'es en négatif, toi. Je suis en négatif, à force de te payer des apéros, du coup, finaliste à Rio en 2020. Rio, c'est le tournoi à 500 qui mériterait d'être rétrogradé en 250, tellement il n'y a personne là-bas. Ça, c'est un autre problème. Mais sur dur, c'est pas sa meilleure perf sur dur, sur surface rapide à Madjer, de toute sa carrière. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est ? Non. Le mec le plus prestigieux qu'il ait battu sur une surface rapide de sa vie ? Julien Varlet. C'est Andorrar à Stockholm l'année dernière. Donc quand le mec le plus fort que t'es battu
sur dur, sur surface rapide, c'est Andourar, qui lui, donc, n'est pas du tout un spécialiste. 2-7-0, voilà, tu te dis quand même que Kerek, qui adore en plus jouer dans ces tournois-là, 250 américains, il a joué des tas de finales dans ce type de tournoi. C'est tout à fait le profil de tournoi qu'il adore. Non, il y a Benki qui dit que Kerek va perdre. Alors, Benki change complètement d'avis. Arrête, pars de l'autre côté. On n'en parle pas de ce match. Allez, alors on va enchaîner. Le 2-7-0 paraît évident pour Kerek. T'es d'accord avec moi, Benoît? Oui. Eh bien. On enchaîne avec John Isner qui va jouer lui Montero au 84e. Et ben là, il a déjà pas. Battu le Brésilien et on se souvient de ce match parce que c'était à l'Australian Open l'année dernière, 4-7, 4 tie-break. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. Oui. Zéro break du match. Oui, mais zéro Montero, je ne le pensais pas aussi vaillant hein, face à un John Isner. Montero, il peut bien jouer sur dur. C'est un gaucher. Et je me méfie, il retourne bien, il a de la force dans le bras. Ouais. Je me méfie, Isner, ouais. C'est son premier match de l'année. Tu te méfies, ça fait Mais t'as raison de te méfier parce que ça va faire 2-7-0, Isner. Et tout le monde bat dessus aussi. 80% de pari avant sur le 2-7-0. Et ben moi, je mets Montero pour un 7. Montero prend un 7 pour Julien Pichenet. J'ai tout de suite trouvé ça, elle doit être pas mal la cote. Elle est à 1,50. Pourquoi tu restes sur son troisième tour à Roland-Garros? Je mets Montero pour un 7. Vous faites ce que vous voulez. Tu fais ce que tu veux, Benoît. Tu fais ce que tu veux. Je crois, tu vois, je crois qu'on a eu tendance à oublier John Isner. Parce que voilà, le mec est là depuis des années, Je crois qu'il a été pro en 2007. Et moi je t'annonce que cette année, ça ne va pas le faire du tout, il va chuter au classement. N'oubliez pas que ce gars-là, en 2019, souvenez-vous de cette finale à Miami où il se pète le pied. Et 2020, bien évidemment, le gars qui a 35 balais, qui pèse plus de 100 kilos et qui doit revenir au plus haut niveau en s'étant pété le pied, bien évidemment, ça pose des soucis. Et cette année 2020 un petit peu particulière, où il n'a pas montré le bout de son nez, enfin quasiment pas, même si ça reste quand même des bons résultats dans l'ensemble, toujours est-il que voilà, 2021 commence, il n'a plus de problèmes physiques. John Isner, je me suis amusé. C'est 12 365 ace depuis le début de sa carrière. Non mais vous vous rendez compte du délire? C'est-à-dire que c'est à peu près en moyenne, hein, c'est à peu près 1000 ace par saison professionnelle. Ça veut dire qu'il a fait 12 365 ace en 707 matchs professionnels. Ça veut dire qu'il en passe 17 en moyenne par match. Et donc là, on joue un premier tournoi à Delray Beach où les mecs n'ont aucune possibilité de savoir où ils en sont, si ce n'est voilà, s'entraîner et compagnie. Et là, tu as Montero qui arrive, qui a tapé Thomas Bellucci, qui ne sait même plus jouer au tennis depuis quelques années, qui est passé limite 7-5 au deuxième, et qui va jouer John Isner. Premier match, qui va balancer des pruneaux, des ogives dans tous les sens. Il n'y a pas de match. C'est 2-7-0, Isner. Tu es un avocat formidable et tu pourrais défendre des gens indéfendables. Je sais que tu arrives toujours à être convaincant, beaucoup plus que moi. C'est fou, il a du talent. Il a du talent, ce mec-là. Du talent. Mais méfie-toi. Bon, on a compris que c'est juste, je te dis juste, Thiago Montero pour Julien Pichenet. Non, mais c'est. Voilà. On a dit les piécettes. C'est Basile Azivili, c'est Kerek, ça, on oublie. On n'est pas. Est-ce que tu veux. Est-ce que c'est pas des piécettes, hein, 45. T'as pas. Non, c'est des billets. Est-ce qu'on se rend compte que quand John Isner rentre sur un court depuis le début de sa carrière. Mais arrête avec ça, on se rend. Non, mais parce que c'est dingue. 79%. 79%. De points gagnés derrière sa première balle de service depuis qu'il est passé professionnel en 2007. 79%. Oui, vous vous rendez compte de l'aberration? C'est fou. Ça ne veut pas dire qu'il va mettre 2 et 1 à Montero demain, ça. Non, mais il va lui mettre 3 et 3. On accélère, allez. Messieurs, et on finit Delray Beach avec le duel de jeunes américains entre Tommy Paul et Sébastien Korda. Ah, ça, c'est dur. Ça. Ouais, ah, ça, c'est beau. Ouais, c'est pas simple. Alors, on en sait un peu plus. Je me suis renseigné sur le Sébastien Korda. Tu sais, on se posait des questions avec Agassi. Voilà, Agassi. Pour la cote, on va sur Korda. Donc, il y a passé 2 semaines dans le centre scolaire qu'a monté André Agassi avec Steffi Graf à Las Vegas, dans le désert à côté de Las Vegas. Et il y a passé 2 semaines. Donc, il était avec son préparateur physique, son entraîneur, machin et compagnie. Et donc, il y avait son entraîneur et Steffi Graf qui étaient en face de lui. Et pendant que lui renvoyait la balle, il avait André Agassi qui lui donnait des conseils. Et en fait, ça fait 4 mois à peu près que André Agassi, quotidiennement, qu'il soit côte à côte ou pas, au téléphone, via Internet, Zoom, tout ce que vous voulez, ça fait à peu près 4 mois qu'André Agassi lui donne des conseils. Et il lui a donné Korda lui dit qu'Agassi lui a donné un très bon conseil, il lui a dit « ne va pas en Australie, ça ne sert à rien, tu es jeune, tu as besoin de matchs, tu as besoin de remporter
des matchs régulièrement. Si tu pars en Australie, tu pars 15 jours enfermé dans un hôtel, tu ne sais pas ce qui va se passer, tu ne sais même pas si tu vas gagner un match là-bas, tu vas perdre 4 semaines de ta carrière. Donc, reste en Europe, joue des challengers, et c'est ce qu'il a décidé de faire. Donc, il va pas jouer l'Open d'Australie, il va rester en Europe pour jouer des matchs. Et sincèrement, ce qu'il a fait contre Kwon, il m'a impressionné. Je l'ai trouvé hyper solide pour gagner 4 et 4. Voilà, le mec est au-dessus, il gère sa carrière, bien, quoi. Je te suis, tu vas sur Corda ? Ouais, mais Paul, attention, Paul, il fait quand même, il fait une saison 2020 pas dégueulasse. Il a gagné plus de matchs qu'il n'en a perdu. Il y a eu une demi à Adélaïde, un troisième tour à l'Australie, des quarts à Acapulco, Nur-Sultan. Il est 52e, il a 23 ans. Il n'est pas au niveau où on l'attendait, parce que quand il était junior, il avait des très bons résultats et on se disait, oulala, lui aussi, ça va être un futur grand, comme Fritz. Hein, c'était la même époque. On se disait, Paul, Fritz, en plus, il avait tapé dans l'œil de Federer et toute de l'agent de Federer. Là, donc on s'est dit, oulala, lui. Ça peut être un futur grand. Il prend du temps, mais... Moi, je mets Paul. La victoire de Korda d'entrée dans ce tournoi contre Kwon, vraiment, pour moi, est une valeur. Alors que Tommy Paul contre le Coréen Nam, je ne sais pas. Oui. Mais bon, il le bat facile. Ça ne marque pas les esprits, mais effectivement, Korda peut être, lui aussi, comme Ruusuvuori, un mec qui va vachement progresser au classement, parce qu'il n'est pas encore dans le top 100, Ruusuvuori. Ouais, ça va, c'est bon. Émile. T'as vu, c'est pas si simple que ça. Non, mais il fait chier avec ça, c'est bon. Ruusuvuori. j'ai oublié des U. Oublié combien de U. Mets plein de U. Mais qu'est-ce que je disais ? Je sais plus, c'était pas intéressant, mais je disais un truc. Je voulais juste terminer ma phrase. Tommy Paul. Tommy Paul. 3-700 vainqueurs, on me demande. Ah oui, moi je vais là-dessus. 3-700 vainqueurs, c'est intéressant. Korda va gagner beaucoup de matchs. Korda va progresser, va gagner des matchs en 2021, etc. Mais là. Moi, je mise plutôt Paul là, sur ce match. Ah oui, moi, de 25, j'ai envie d'aller sur Korda. Oui, mais parce que la cote est plus élevée, mais tu vois, il faut pas se laisser avoir par ça. 97% de nos parieurs vont sur Korda. Korda. Parce que c'est 2-25, mais il ne faut pas se laisser avoir. Pardon, excuse-moi, le 20. Le 2-10, 3-7 sans vainqueur. 2-10, 3-7 sans vainqueur. C'est pour Benoît Mélin. Ça, c'est mieux. On va enchaîner tout de suite avec les femmes. Hein. On n'a pas parlé de Flipkens. La question Freebet. Bah, si, d'abord de Julien Pichenet. Question Freebet de Julien Pichenet. Ah oui, exclamation quiz. 5 gagnants de 5 euros dans le chat sur Winamax. Julien. Si vous regardez Sans Filet tous les soirs, vous avez la réponse parce qu'on en a parlé l'autre jour. Oh ben non, mais arrête de faire ça. Si, c'est bien. Ah bon ? Mais oui, on adore. C'est toi qui lui as demandé. Non, je n'ai rien demandé, mais j'aime bien qu'on récompense les fidèles. Elle valide. Karlovic joue ce soir. Karlovic, il va avoir 42 ans dans quelques jours. Fin février. Il a gagné un match en tant que quadragénaire déjà. Hein. Depuis qu'il a eu 40 ans, il a gagné un match ATP. Ouais. Déjà. Mais avant Karlovic, le dernier quadragénaire qui avait gagné un match ATP. Qui c'était qui ? Et ça remonte, les amis. Le nom de ce joueur. Ça remonte. C'était dans les années 90, les amis. Allez. Vous le savez tous. Voilà, il pose bien des questions, Julien. Allez, on va terminer cette émission, les amis, avec Abu Dhabi maintenant et son WTA 500. Alors, on va parler d'Alizé Cornet, qui a perdu rapidement contre Badoza. Ouais, t'es déçu, hein. Ah ouais. Parce que c'est en 2-7. Mais non, mais tu vois, à un moment, j'étais là, j'avais dit attention à Badoza. Toi, tu rigolais, j'avais dit Badoza, attention, c'est vrai, pas n'importe quoi. C'est vrai. Mais je me disais, voilà. T'es allé sur Cornet, oui, mais parce qu'Alizé Cornet, début de saison, machin, elle l'a accroché, ça a été dur comme match. Mais Badoza a bien vraiment. Non, mais Badoza, Cornet, elle peut faire des pertes, mais c'est vrai que c'est dans l'enchaînement, c'est là qu'elle a du mal aujourd'hui, hein, avec son jeu qui nécessite quand même beaucoup d'efforts et tout. Donc. Non, mais enfin, bon. Moi, j'avais dit Badoza. Dans ma tête, j'avais dit Badoza. Dans ma tête, j'ai pas osé. Mais dans ta tête. Dans ma tête. Voilà. Ouais, mais tu dis beaucoup de choses. Mais oui, c'est ça le problème. C'est qu'il y a pas, En plus, il y a pas l'éclairage partout dans sa tête. Allez, donc c'est pour ça. Il y a des étages où il y a des pannes de courant. Mais toujours est-il que moi, ce que je retiendrai de cette journée à Abu Dhabi, c'est Chucky. Alors, on va. Kenin qui est passé sur un bandeau de Flipkens qui s'est pris les pieds dans Pierre un Richard. Panneau publicitaire. Pierre Flipkens, et... Richard. Non, mais beaucoup de personnes ont été outrées hein, par ces panneaux publicitaires. Oh, mais arrêtez avec ça. Dès qu'il se passe un truc d'être outré alors que personne n'est jamais outré en temps normal. Hein, avant hier, personne n'en parlait, personne ne disait quoi que ce soit là-dessus. Non, mais dans ce cas-là, s'il faut supprimer, enlever, annuler tout ce qui peut potentiellement être dangereux. Mais en fait, c'est un panneau publicitaire que c'est... Dans ce cas-là, on ne fait plus rien. On arrête les bagnoles. Dans ce cas-là, on supprime du marché toutes les voitures, parce que ça peut être dangereux. On supprime tous les immeubles à plus de 2 étages, parce qu'on peut tomber. Ça peut s'effondrer. Ça peut s'effondrer, on peut tomber. Ça ne sert à rien, tu peux faire de la pub autrement. Non, mais en plus, ça reste quand même extrêmement marginal. Non, oui, c'est déjà arrivé avec Okinaki. Sans ça... rire. Sérieusement. C'est une espèce d'un truc. C'est un truc à 2 balles. Déjà, Flipkens, à aucun moment, ne sort que c'est à cause de ce panneau, soi-disant, elle se casse la gueule.
recule et elle se casse la gueule sur mais le panneau. Mais c'est pas sur le panneau, pas du tout. Si. Elle se tord la cheville avant le panneau. Et après, ah oui, effectivement, tombe. En tombant, elle tombe sur le panneau. Voilà. Oh, c'est la faute du panneau. Ça n'a rien à voir avec le panneau. Alors, on re-regardera le ralenti, mais il me semble qu'elle touche. Mais non, mais sans rire, alors là, c'est des trucs à deux balles. On s'en fout comme de l'encarre. Pour tout vous dire, les amis, je suis arrivée et j'ai parlé de ça avec. Mais il y en a marre de ces polémiques à la con. Mais ouais, faut arrêter avec ça. Tout ça, non, mais en plus, on est dans une période de frustration. Non, mais là, je compte, il y en a marre. On est dans une période de frustration où dès qu'il y a un truc comme ça, Julien, on a envie. Chacun ses combats. On a envie d'avoir un avis sur tout. Mais c'est insupportable. En revanche, il y a Chucky. Elle en avait rien. Il y a Sophia Chucky qui elle s'en sort bien pour le coup. Vous l'avez vu? Elle s'en foutait. Alors l'autre, elle se casse la gueule. Genre limite, on lui ampute la jambe tellement elle a mal. Yes. Et t'as la Kenin qui est là. Ouais, bon, et alors? Bon, on joue alors? Qu'est-ce qu'on fait? On attend? J'ai gagné ou pas? Mais elle est extraordinaire. C'est pas. Après. En surface, c'est pas la fille la plus sympathique, ah non, mais conviviale de tous les temps. La saison passée. D'accord. Mais j'adore. Ça, du coup, ça en fait un personnage. Mais tu sais quoi? En fait, je pense que Sophia Kenin, sans le masque, c'est Scream. Arrête, recommence pas avec ça. Mais j'adore cette fille parce que en plus, elle le dit. Hein. Encore une fois, c'est une nana en dehors du cours qui a 20 balais. Qui est comme ça, qui est toute gentille, qui est toute mignonnette, avec le papa qui traîne, bon, ça, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, elle est toute gentillette. Et elle rentre sur un court de tennis, mais sans rire, elle pourrait faire n'importe quoi en film d'horreur. Thomas nous dit ce qui est inquiétant. C'est American Nightmare. C'est le niveau de Kenin. Pas ravi par le niveau de Sophia Kenin, Thomas. Mais non, bien sûr que non. Mais c'est la rentrée dans le tournoi. C'est la rentrée, ouais. Non, mais il y a Alex qui nous dit, et Goffin qui s'était tordu la cheville à Roland dans la bâche, il a porté plainte, etc. Mais on va pas porter. Non, mais dans ce cas-là, dit, si je me cogne la tête contre la télé, là, que je me blesse et que je me fais saigner, je ne vais pas porter plainte contre Winamax. On peut remonter plus loin, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait Julien Beneteau aussi qui s'était mangé la terre battue de Monte-Carlo, qui était un petit peu meuble, parce qu'avec la pluie, avec l'arrosage et tout ça, et qui s'était pété la cheville, pareil aussi. Bon, c'est hyper dangereux de glisser sur la terre battue. Mais Benoît, tout est dangereux. Vivre est partout. Particulièrement dangereux. Bah, surtout avec toi dans le Mais comme émission. On aime bien vivre, on accepte et on accepte aussi ce Allez, que ça peut nous apporter. Et nous, il va falloir qu'on clôture rapidement l'émission, donc on va faire vite chez les femmes. Et il y a pourtant un choc dont il faut qu'on parle, c'est celui qui oppose Maria Sakkari à Coco Gauff, la jeune américaine. Alors, on en a parlé en début d'émission, vous vous souvenez, à New York, on était partis, je me souviens, avec Julien Barlet. On était parti sur Coco Gauff. Un et trois. On s'était mangé un et trois, exactement. Et ben moi, je mets la même chose là. Tu mets la même chose? Ouais. Bah, pourquoi pas de revanche de 1 et 3 quand même, c'était costaud. Non, mais elle perd rarement dans les premiers tours, Sakkari, puis elle est impressionnante de puissance. Oui, son match exactement. Contre Serena à l'US était exactement. Quand même dingue. Mais défensivement, Coco Gauff, c'est costaud. Hein. Alors Gauff, après, je me dis... Oui, mais Gauff, il y a un problème au service. Après Gauff, elle a quand même 16 ans. Elle était en pleine phase ascendante là, quand le Covid est arrivé, tout ça. Je me dis, moi, j'ai mal pour ces jeunes, là, qui, elle a quand même un peu perdu. Bon, on a joué beaucoup l'année dernière, mais... Elle a perdu presque une année, quoi. Il aurait pu beaucoup progresser. Hein. Ça me fait de la peine pour ces jeunes joueurs là, qui ont dû vivre cette saison avec 5 mois en moins. Donc elle a envie, sans doute, à la fin de jeu, à la fin de victoire, peut-être. Donc elle va se donner à fond. Ça, c'est certain. Elle a une bonne victoire au premier tour. Mais Sakkari, ça me paraît niveau au-dessus. Moi, je mets Sakkari à 1,68. C'est une belle cote. Elle a une bonne victoire au premier tour. Donc Ulrich Eikeri. Ouais, non. La Norvégienne, ça, c'est quelque chose qui parle. Quoi. Ah oui, j'ai confondu. Non. Donc en fait, dans ton cahier de copiniste, on voit rien, quoi. C'est pas lisible, en fait. Non, j'ai confondu. C'est écrit en cyrillique, c'est pas ça. Non, oui, j'ai confondu. Non. Je voulais dire qu'elle a eu des bonnes victoires fin 2020. Contre Conta, Roland Garros notamment. J'avoue que j'ai encore. Patrice dit Gauff peut la faire déjouer, c'est vrai. Moi, c'est pour ça, je sais pas. Après Elkeri, Uriquet qui ne sait pas jouer, elle te met 0-0, hein, Marie. Hein, évidemment, non, mais il a raison. Il a totalement raison. Non, mais Sakkari, en revanche, elle bat Potapova au premier tour en lui mettant 4 et 2, ça, c'est pas mal. Et surtout, Sakkari, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de voir. Son entraînement physique dans préparation foncière là, sur l'intersaison. Non, mais physiquement, c'est une des nanas les plus affûtées. Regardez ça avec le Juju Varlet. Et même lui me disait, alors là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quoi. C'est une des filles les plus costaudes. De malade. C'est une des filles les plus costaudes du circuit. Après, j'avoue que pour moi, pour l'instant, Coco Gauff, que j'adore, hein, j'espère qu'elle va y arriver. On n'y croit pas encore sur ce genre de match. J'espère, c'est compliqué. Bien sûr qu'elle va y arriver. Mais oui, mais. On n'en sait rien, je sais. Il y a plein de trucs qui se mettent en place, tu vois. Il y a une telle pression autour d'elle. Une porte-parole, tu vois, elle est aimée par tout le monde, la famille Obama, le machin, et compagnie. Elle sera présidente des États-Unis dans 40 ans. Il faut qu'elle reste dans le tennis. Et le problème pour moi, c'est qu'il y a quand même un énorme problème au niveau de son service. Alors, elle est très bonne en défense, elle renvoie bien la balle, elle contre
contre-attaque, elle est parfaite en contre. Mais pour prendre le jeu à son compte, pour essayer de faire la différence avec son service, Sakkari, pour l'instant, est pour moi légèrement au-dessus. C'est pour ça que je mets Sakkari gagnante sur ce match. À t'entendre, là, on a l'impression que tu vas te contredire par rapport à ce que tu as dit hier. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Tu as dit qu'Coco Gauff va jouer une demi-finale en Grand Chelem cette année. Bien sûr. Oui, mais bien alors, sûr, il n'a pas dit Abu Dhabi n'est pas un Grand Chelem. Et après, il me semble que tu as dit, si ce n'est pas le cas, j'invite toute l'équipe de son filet dans un restaurant étoilé. Bien sûr. Julien, puis il n'y en a pas le temps. On va tout mais de suite enchaîner. Mais je vois ça, Karine. Vous voyez Muguruza contre Sasnovic. Oui. Svitolina contre Zvonareva. Oui. Et donc, on va s'attarder pour le dernier match de cette émission. Mukhova, Kazatchina. Ça, c'est plus incertain. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai besoin d'un avis un tout petit peu plus tranché. Premier duel, en tout cas, entre la Tchèque et la Russe. Benoît. Rapide, il est 55. J'étais hyper dur. Et il y a du foot après. Parce que Kazatkina, elle a chuté au classement depuis un an quand même. Elle avait des problèmes extra-sportifs. Je ne rentrerai pas là-dedans parce qu'elle m'a demandé de ne pas en parler, mais voilà, elle n'était pas du tout sur le tennis. Elle t'a demandé personnellement de ne pas en parler? Oui. Elle t'a appelé? Mais en fait, j'ai la chance de pouvoir rencontrer un petit peu toute cette équipe de Technifibre, que ce soit Kazatkina, Dani. Chaque émission, on y a droit, ça. Mais il faut savoir aussi profiter de ces opportunités. Et en plus, c'est une fille qui est adorable. Et bien évidemment, vous me connaissez, je lui ai rentré dans l'art en disant, mais tu mets plus une balle dans le court, t'es une grosse daube. Et voilà, on a discuté, elle m'a expliqué. Je comprends complètement pourquoi elle n'y était pas. Et là, comme par hasard, c'est vrai que déjà sur la fin de la saison dernière, elle se remettait un petit peu à jouer à un bon niveau, loin de ce qu'elle était capable de faire, parce que vraiment, elle a très bien joué. Je trouve qu'elle est mieux, elle est beaucoup mieux. Mourova, c'est compliqué, mais Mourova, je trouve que c'est encore un peu trop fouillis. C'est pas une grande saison 2020, elle fait son 8e. Nos parieurs vont sur Mourova. Hein. Oui, parce que c'est l'étoile montante, c'est la jeunette, c'est la fraîche. Si vous faites un combo pour les matchs là, à venir, je ne sais pas s'il faut se précipiter sur ce match. Alors tu vas m'engueuler après en disant ah, il ne faut pas dire. Parce que j'engueule Julien Pichenet à chaque fois quand. Non, il, mais quand c'est quand pas ça. Bah, tu vois, j'irai notre boulot, j'irai plus sur Eradi Korf qui dit Kazatkina en 3 que sur. Non, mais dans ce cas-là, Kazatkina prend un 7, c'est combien? Non, mais il y a Vintou qui dit Mourova en 2, j'ai un petit peu de mal sur Mourova en 2-7. Kazatkina. Moi, je dis Kazatkina prend un 7. Voilà. 1,49, vous êtes tous les deux d'accord là-dessus. 1,49, ça me paraît pas mal. Parce qu'elle a fait les moyens. En tout cas, pour cette émission, on arrive à la fin. On va donc jouer et distribuer de l'argent tout de suite. Mais avant, la réponse à la question. Sarah Connor nous dit Jetlag, c'est drôle ça. Pourquoi Sarah Connor? Parce que c'est Jimmy Connors la réponse dans l'émission. Ouais, Sarah Connor, il avait envie. On parlait de Cornio tout à l'heure, il enchaîne direct avec Terminator. Mais Sarah Connor, c'est Terminator, c'est celle qui sauve la planète. Non, pas de film, les amis. Bravo en tout cas aux 5 gagnants qui sont annoncés par le modérateur dans le chat Winamax. Nous, alors, on va jouer. Younes El Haynoui a gagné un match en 2017, mais pas en ATP, mon ami. Ah, purée, c'est parti. Rien parce qu'il faut suivre. Vous parlez de cinéma, il est 57. Il y a le Winamax Football Club qui arrive juste après nous. Donc il faut se dépêcher, les amis. Julie ! Allez, pour l'exclamation quiz, Team Julien, Team Benoît. 20 euros. Non, allez, 25 euros si Julien s'impose. Je suis encore dessous ! 20 euros si Benoît s'impose. Bah, t'es meilleur, Benoît, franchement. Non, je réponds à Dinamo. Younes El Haynoui a gagné un match effectivement en 2017, mais c'était un tournoi futur. Là, on parlait de tournoi ATP, de tournoi du grand circuit. Tu sais, il faut beaucoup préciser quand. Mais parce que je ne sais pas si tu l'as précisé. Si, si, je l'ai dit. Ça manque de précision. Allez, vas-y, joue. C'est toi qui as gagné le service. 1-0 pour moi. Benoît. 2-0 pour et moi. Tu chattes. Non, poteau rentrant. Ouais. Écoute, quand tu fais la même chose, je viens pas pleurer dans ton gilet, donc voilà. Benoît. Non, attendez. 3-0. Tu veux prendre un médicament 3-0 ou quoi? T'es pas dans ton match, là. 3-1. Ah, merde. Voilà. 3-2. 4-2. Balle de match, Julien Pichenet. Oh là là, non, mais il a servi avec le doigt. Il a servi avec le doigt. Puis t'as qu'à jouer. 25 euros pour la team Julien. Ça fait dis donc deux victoires. Hein, deux victoires cette semaine. Deux victoires, c'est énorme. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été avec nous. C'était un régal. On se retrouve demain à 19h, même endroit, même heure. Merci à Loïc, à la réalisation à suivre, je vous l'ai dit, du football. Le Winamax Football Club à ne pas manquer, évidemment. On vous embrasse, prenez soin de vous. Et demain, tous les jours, tout le week-end. Tout le temps. Thirty, 40.